Eh bien salut tout le monde, c'est MrBBoy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Beyond Two Souls et nous en sommes à l'épisode 16 et c'est sûrement, je pense, le dernier épisode. On dit ça depuis 2-3 épisodes, vous savez qu'en prémonition ce jeu cache toujours d'agréables surprises, donc ça fait plaisir. Est-ce que je le reverrai bientôt? Oh. Je sais pas ma chérie. Il n'a pas quitté son bureau depuis 3 jours. Il aimait sa femme et sa fille plus que tout au monde. Mais on peut réessayer demain, ok? Allez, c'est l'heure de dormir. Ok, on est donc de retour juste après le décès de la famille de Nathan. Souvenez-vous, on s'était lâché sur une fin plutôt semi-positive. On ne sait pas si on en était sorti réellement vivant. C'était assez compliqué, mais l'amour que portait l'agent de la CIA, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus son prénom, nous a été dévoilé. Oh putain! Ok, c'est sa femme. Ça fait peur avec le sang comme ça, les gars. Je suis pas prêt. Ok, je suppose qu'on va devoir la suivre. D'accord, est-ce que je peux juste attendre? Attendez, bougez pas. Est-ce qu'avec... Putain, même avec Aiden, on la voit? D'accord. On peut pas y aller, par contre. Ça fait quand même assez flipper. Ça fait flipper de ouf. Déconne pas, hein. Va pas te TP sur moi. Je tiens à mon cœur. Ah! Ah oui! Ok. On va y aller. D'accord. Écoute, je ne peux pas faire ça de mon côté. Je peux pas faire ça. On va y aller. Attendez, on va juste voir. Il y a quoi de l'autre côté, histoire de savoir à quoi s'attendre. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça fait assez peur. On la voit toujours pas. Je sais pas où elle veut m'emmener. Donc, c'est la femme de Nathan. Elle va peut-être m'emmener à la boîte qui fait de la musique. Pourquoi pas? En tout cas, je pense qu'on va découvrir un truc sur Nathan. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Ça veut dire que le jeu nous garde encore quelques révélations. Ok. Donc je suppose qu'il faut aller par là. Ok. On va la suivre. D'accord, STP vite. Je sens un screamer là dans pas longtemps. Je sens un putain de screamer. Par contre, avant il y avait sa fille qui apparaissait, il me semble. Et là il y a que sa femme. Ok, elle est partie à droite. D'accord, attends, il m'emmène où? D'ailleurs, depuis quand je ne suis plus sous surveillance? J'arrive, bébé. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout, ça va être une terrible histoire là-dedans. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Nathan, peut-être? D'accord. On va essayer de pré-shot, il y aura peut-être un bonus de l'autre côté. Ok, c'est bien le bureau de Nathan. Nathan qui pleure, d'accord. Je vais le consoler. Ah, je dois peut-être faire passer un message à Nathan. Judy. Qu'est-ce que tu fais ici, il est tard. Autant te coucher. Ok. Est-ce qu'Aiden... Non. Aiden ne le voit pas. Je sais pas ce qui se passe. On va sûrement le consoler. Yes! Alors, je dois le mettre à ma tête? On est d'accord, vu que ça part de lui? Sois pas triste, papa. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? C'est allé très vite. Maman n'a rien pu faire. Mais j'ai pas eu mal. Arrête, Judy. J'ai pas eu mal du tout. Tu entends? Arrête immédiatement! On est juste là, Nathan. On est juste à côté de toi. Laura. On t'aime, mon chéri. Et sache qu'on t'aimera toujours. Parle-moi encore. Judy! Je t'en supplie.
puis fais-les revenir. Fais-les revenir encore une fois. Désolée, elles sont parties. Non, s'il vous plaît. Me laissez pas. Me laissez pas. Elle me manque tellement. Ok, on switch direct à Soleil Noir, juste avant le prologue, et c'est après l'entre du dragon, d'accord. Donc on est peut-être très loin de la fin. Le condenseur utilisé au Kazirstan a pu être détruit et la faille est maintenant inaccessible. Nous sommes à présent la seule nation à pouvoir accéder à l'inframonde. Cette situation ouvre de nouvelles perspectives, tant d'un point de vue militaire que stratégique. Nous allons maintenant lancer de nouveaux programmes pour découvrir de nouvelles sources d'énergie et développer des applications militaires. Nous avons déjà trouvé comment lier des entités à des soldats humains et nous venons à peine de commencer. C'est une mission plus importante que le développement d'armes nucléaires ou la conquête spatiale. Car nous venons de découvrir tout un autre monde. Un monde nouveau qu'il nous reste à conquérir. Eh oui, mesdames et messieurs. C'est le début d'une nouvelle ère pour notre nation. D'accord. Je vais pas vous mytho. Ça sent pas spécialement bon. Je peux pas y aller? Ah merde, je peux pas y aller avec Aiden. Ok, je peux pas y aller. Donc on est vivant, ça se passe après, hein. Après l'antre du dragon, étant donné que ils ont dit que toutes les failles étaient refermées. T'en as marre d'écouter les pontes du Pentagone? Allez, l'ironie on apprécie. Ils étaient trop occupés à se demander comment ils allaient conquérir le monde. Ça m'intéresse pas vraiment. Ouais, on a participé à tout ce cirque. Manipulé par notre... Manipulé. Ils nous ont assuré qu'on faisait ce qui était juste. Mais ils se sont servis de nous, en fait. Ils voulaient permettre au Pentagone d'être le seul à contrôler l'inframonde. Qu'est-ce que tu vas faire? Vie normale, ami, pourquoi? Peut-être que j'irai chez des gens qui me sont chers. Ceux qui m'apprécient. Ceux qui m'aiment pour ce que je suis vraiment. Je connais très peu de personnes comme ça. Les SDF, les rouillas, les gars. Tu vas faire quoi, toi? La CIA a déjà tout prévu pour moi. Un bon poste, une belle voiture, des clubs de golf. Je leur ai pas encore donné de réponse, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Écoute. Jody, je... C'est compliqué de mettre des mots sur notre relation. Et je sais que j'ai pas toujours été réglo. Mais on pourrait se donner une autre chance. Voir si ça pourrait marcher entre nous. Parce qu'au fond, on a traversé des épreuves bien plus difficiles. Aiden, accepter, refuser, réfléchir. Hop! J'ai besoin d'un peu de temps. Je suis pas encore prête. Ne m'en veux pas, Ryan. Je comprends, t'inquiète. Mais quel que soit ton choix, n'oublie pas que je serai toujours là pour toi. Ah, c'est là que tu te planquais. Nathan te cherche partout. Viens, je vais te conduire à son bureau. Salut, Ryan. Oh, tu sais quoi? J'ai un très bon whisky à partager dans mon bureau. Tu me rejoins là-bas? Non, c'est gentil, mais ça ira. T'es pas sérieux? Ne m'oblige pas à le boire tout seul, je vais pas gâcher une bonne bouteille. Que tu le veuilles ou non, je viendrai te chercher, ok? Allez, viens, Jody.
D'accord. Attendez, est-ce que je peux pas... Ok, on peut plus lui parler. J'ai préféré mettre réfléchir, mais je pensais pas qu'elle allait le friendzone sans aucune putain de pression. Aucun regret. C'est pas grave. Ah les gars, il faisait moins 30, c'est pour ça que j'ai dit que je l'aimais. Il y a parfois des décisions pas faciles à prendre. Allez, regret. J'espère seulement ne pas me tromper. Tu n'as qu'à suivre ton cœur. Eh oui, les gars, écoutez mon cœur. Tu sauras que tu as pris la bonne décision. Toujours écouter son cœur, les amis, on ne cessera de vous le répéter. Depuis maintes et maintes let's play. Ok, on va voir Nathan. Pas du tout ce qui va se passer. Il doit y avoir sûrement un ou deux bonus qui se cachent par ici. Mais bon, c'est pas grave, on va pas tous les chercher. Putain, pousse-toi. Le couloir il est gigantesque, faut qu'on rentre en contact. C'est quoi ces conneries? Attends, on est où là? Je sais même pas si on est sous terre. Je crois qu'on est sous terre, c'est ça qu'ils avaient dit, non? Je sais plus trop. Je sais plus trop. J'ai peut-être à prendre la vérité. Voilà, c'est bon, on y est. Appelle-moi quand t'auras terminé. Ok. Hors de question. Allez. Quoi que te raconte Nathan, fais attention. Quoi que te raconte Nathan, fais attention. Ouh là là. C'est le frérot, il me dit pas ça pour rien. Ça va être terrible, je sais pas ce qui va se passer. Tu peux entrer. Oh, il est bien. Il est bien. Ah, je peux te dire. Je peux te dire que là, il a fait fortune le gaillard. Jody. Tu peux pas savoir comme je suis content que tu ailles bien. J'ai rempli ma part du marché. C'est au tour de la CIA. Tu sais qu'aux yeux de la CIA, tu n'as jamais existé. Un petit chèque, ça ferait plaisir. Ah, je vais enfin pouvoir exister, c'est beau ça. Tu es maintenant Elizabeth North, une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Cette enveloppe contient $500,000. Un peu radin, mais ça va. C'est en paiement pour service rendu. Un peu crevard quand même, hein. Il y a de quoi prendre un nouveau départ. J'ai envie de refuser. Je veux démarrer une nouvelle vie. Je veux rien qui puisse me rappeler celle que j'avais avant. Avant que tu partes, j'ai une dernière faveur à te demander. Quand j'ai perdu ma femme et ma fille dans cet accident, il y a déjà 15 ans de ça, j'ai voulu mourir moi aussi. J'ai beaucoup pleuré. Plus rien n'avait d'importance. Je me suis tapé la tête contre les murs en me demandant pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Ne plus jamais pouvoir les serrer dans mes bras. C'était une blessure impossible à guérir. Mais tu es arrivé. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient toujours là, invisibles, mais tout près de moi. C'était une révélation. Le gouvernement m'a fourni tout ce dont j'avais besoin pour étudier l'inframonde. Ils songeaient à l'utiliser à des fins militaires. Moi, de mon côté, je voulais revoir ma famille. Il m'a fallu des années. Mais j'ai fini par réussir à construire cette installation.
toujours, mes chéris. Oh. Il souffre. Hélène. Je viens tous les jours pour les voir. Nous serons bientôt réunis. Je travaille en ce moment même sur un nouveau condenseur qui sera capable de communiquer avec les âmes de l'inframonde. On pourra parler avec les morts. Est-ce que tu t'imagines ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Je veux seulement que tu m'aides à parler avec elles. Je veux pouvoir entendre leur voix. Je veux leur dire ce que je prépare pour elles. Tant que je n'aurai pas terminé mes recherches, tu es la seule à pouvoir le faire, je dis. What? Raisonner? Nathan. C'est trop tard. Elles sont dans l'inframonde maintenant. Tu pourras pas les ramener à la vie. Je te demande pardon. Je peux rien pour toi. Ça fait 15 ans que je ne les ai pas entendues. Ça paraît une éternité. Elles étaient revenues par l'intermédiaire d'une petite fille. Grâce à toi. Écoute, je t'en supplie. Jody, contacte-les pour moi. Donne-moi tes mains. Ça va partir en couille. Ok, bon, j'ai essayé de le raisonner, mais ça a pas marché, donc on va quand même... Mais là, elles vont crier au secours, en fait. Elles vont crier à l'aide, les gars. Vous avez vu le bordel que c'est? Ok. Hélène. Ma chérie. Si tu savais comme tu m'as manqué. Libère-nous, Nathan. Tu es en train de nous torturer. Il faut que tu nous laisses partir. Laisse-nous mourir. Non, tu mens. C'est pas Hélène qui a dit ça, c'est toi. Tu les empêches de partir. Elles sont toutes les deux prisonnières entre les deux mondes. Tu mens, c'est faux. Je sais très bien qu'elles veulent me retrouver. Ne dis pas le contraire, je sais qu'elles veulent me retrouver. Elle souffre le martyr, Nathan. On va essayer de le raisonner, mais ça risque d'être compliqué. Si tu les aimes vraiment, si tu ne veux pas leur faire du mal, tu dois les laisser reposer en paix. On ne peut pas vaincre la mort, Nathan. Nous serons réunis. La mort n'est rien. Tu m'entends? Ce n'est rien. Attends, il me parle comme une merde, là. Oh! Au revoir, Nathan. Je te souhaite de trouver la paix. Ça, c'est bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. Je suis assez fier de moi, là. Il va y avoir une connerie de faite. On va essayer de se casser rapidement. Je le sens pas. Soit il va essayer de me tuer, les gars. Soit il va me faire un coup de Trafalgar. M'envoyer dans l'inframonde, je sais pas. C'est très bizarre. De plus, Jody se méfie énormément. Je crois qu'il a pété un câble. Les gars, je pense que c'est la dernière phase d'action. Je dis ça à chaque fois, mais ça nous réserve plein de surprises. Bon, j'en ai marre de recevoir des coups dans la nuque, les gars. Faites un effort. Ça va, Jody? Content de te revoir. Tu nous as mis dans une position difficile, tu sais. On ne peut pas te laisser t'en aller. On ne peut pas te tuer non plus. Qui sait ce que tu ferais de l'autre côté? Alors il ne nous reste plus qu'une seule solution.
Il va falloir qu'on t'injecte dans les veines un neuroacide qui malheureusement va te plonger de façon permanente dans le coma. C'est exactement ce qu'a vécu ta mère. C'est un moyen simple et élégant de mettre un terme à notre collaboration. Au revoir, Jodie. Et merci, nous n'oublierons jamais tout ce que tu as fait pour nous. Ok, c'est pas très gentil. Donc c'est vraiment tous des salopes. Jodie. Tu m'as ouvert les yeux, c'était devant moi, mais je refusais de voir la vérité. Aide-moi, Nathan. Je vais maintenant réaliser le plus vieux rêve de l'homme. Dorénavant, plus personne n'aura à mourir, les gens ne seront plus jamais séparés les uns des autres. Mais de quoi tu... Mais de quoi tu veux parler? Le champ de confinement. Je le désactiverai. L'inframonde s'infiltrera jusque dans notre dimension. La vie et la mort seront réunies dans un même monde. Il n'y a pas que des âmes de l'autre côté. Il y a aussi la mort. La mort, je l'ai vaincue, Jodie. Tout va bien se passer à partir de maintenant. Il faut que tu me croies. Non, tout va bien se terminer. Ouais, j'ai du mal à y croire, les gars. Ça va être assez compliqué, là. Ah bah là, il va se passer des choses terribles. Je pense que ça va très mal se passer. Ok, bon. C'est assez compliqué. Je joue Aiden. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire grand-chose. En plus, je me déplace à une vitesse incroyablement lente. Okay. Tu es trop faible, Aiden. Il faut que tu trouves autre chose. Même ça, j'arrive pas, c'est blague. Va trouver de l'aide. Et vite. Ok. Les gars, à part Ryan... Où est le reste de l'équipe? Dans le Vin Scénic. Ils ont une permission de 3 mois. Ils sont sûrement en train de bronzer sur une île paradisiaque. Ok, ok, attendez, il y a sûrement un truc à faire. Ouais, écoute, j'ai quelques mails à envoyer. Si ça te dérange pas, je m'en occupe maintenant. Avant qu'on ouvre la bouteille. Non, pas de problème. Ok. Ok, c'est bon. Ok, on va essayer. Allez, putain, doutez-vous d'un truc, bande de cons. Attendez. Je peux rien faire. Je suis trop faible. Il y a des entités dans ce labo? Des entités? Non. Le champ de confinement les empêche de sortir. Ouais. Attends, Aiden. Ça va durer. C'est toi, Aiden? Oui, c'est moi, frère. Si c'est une blague, c'est pas drôle. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a, Aiden? Je suis en danger, Mireille! Ok. Conduis-nous à Jodie, Aiden. Montre le chemin. Ok, on va où maintenant? Attendez, attendez, attendez. C'est par là. Non. Mais pas les cons. Je crois que c'est par là. Ok. Ok, je vois. On va y arriver.
Il y a un truc qui a bougé. Allez, venez, Mireille. Ok. Alors là, ça va être assez terrible. Quoi, tu veux qu'on prenne l'ascenseur, c'est ça? Ok. Ouais, c'est lequel? C'est le 4. De toute façon, on n'a pas le choix. Allez, les gars, ils vont découvrir la vérité. J'espère qu'ils vont pas crever. Sinon, ça risque d'être assez terrible. Ah ouais, je peux pas prendre possession d'un mec. On va essayer d'allumer ça. Merde, un garde. Je vais m'en occuper. Je peux vous aider? Je suis Cole Freeman. J'ai une autorisation de niveau 3. Il est avec moi. Je suis navré, monsieur Freeman. Vous n'avez pas l'autorisation nécessaire pour accéder à cette zone. Vous pouvez peut-être faire une exception, c'est juste pour lui faire visiter. Je suis désolé, mais cette zone étant classée niveau 4, vous n'avez pas l'autorisation requise pour y accéder. Il faut que tu nous fasses passer, Aiden. J'aimerais bien. On va faire comme ça. Allô, bureau 42, j'écoute. Allô. Allez hop, on lui fait un petit accès. Ah, c'est une petite backdoor. On va le refaire. Réussi. Je lui ai fait le bas de signal. Il y a sûrement une petite erreur. Vous pourriez vérifier? Cole Freeman et Ryan Clayton. Je vous prie de m'excuser, vous êtes bien sur la liste. Pardon, messieurs. C'est mieux. Oui. Recommence pas, ça va m'énerver. Vite, Aiden. Conduis-nous à Jody. Par contre, dis pas ça devant le garde, en fait. Enfin, c'est totalement con. T'es en train de tout broken. Ok, on va où maintenant? Attends, mon frère, parce que là, j'en ai aucune idée. Ici. Ok, c'est par ici. On va casser toutes les vitres, on a rien à foutre. C'est là, hein. Je crois que c'est là. Ok, c'est par ici, il me semble. Yes. Viens, mon rey. Allez. Libéré, délivré. Jody est ici. Et gros, t'es triso ou... Ok. Jody. Oh, enlève ça. Oh. Allez. Viens. Attends. Il va désactiver le champ de confinement. Quoi? Mais pourquoi il ferait ça? Il est devenu dingue. Il croit qu'il va pouvoir ramener sa famille. Il faut l'en empêcher. Ok, en fait, c'est loin d'être fini, les gars. C'est terrible tout ce qui se passe, c'est incroyable. Oh non, il l'a fait. Il l'a fait. T'as besoin de moi? Ok, les gars, on est parti. Par ici, dépêchez-vous. Allez-vous-en. On doit évacuer cet endroit immédiatement. Allez, dehors. Pas maintenant, les gars. Faut qu'on s'en aille. Et vite. Ok, il a totalement pété les plombs, Nathan. Ça se voyait, on sentait le truc arriver quand même. Ok, on va prendre l'ascenseur. Ok. On a peut-être encore une chance de réactiver le champ. Espérons qu'il soit pas trop tard.